van! In a strange flat in East London, somebody I don't really know just gave me something to help settle me down and to stop me from always thinking about you. And you know your life is headed in a questionable direction. You're up for days of strangers and you can't remember again. Vous voici devant la résidence londonienne de Sky Larsen. Son occupante a vidé les lieux il y a 2 ans lorsqu'elle a cessé d'apparaître en public. Bonne chance pour entrer. Bienvenue chez vous, Sky Larsen. C'est un plaisir de vous revoir après une si longue absence. T'as qu'à faire semblant. Un peu de musique pendant que vous vous mettez à l'aise. Que souhaitez-vous écouter? Un truc qui bouge un peu. Veuillez m'excuser, Sky. J'ai malheureusement dû jeter vos produits périssables. Voulez-vous que je vous commande quelque chose? T'inquiète, merci. Sky, vous n'avez pas travaillé dans votre laboratoire depuis longtemps.
Je souhaiterais vous faire un point sur vos projets les plus sensibles. Veuillez descendre quand vous serez prête. J'y crois pas. Le labo souterrain de Larsen ? Trop cool ! Ascenseur verrouillé. Je peux contacter le service technique de Brocatec si la maintenance de la maison ne vous convient pas. Clé activée. Déverrouillage de l'ascenseur. Laboratoire du sous-sol accessible. Vous souhaitez peut-être visiter votre laboratoire. Vous souhaitez peut-être visiter votre laboratoire. Vous souhaitez peut-être... Bienvenue dans votre laboratoire. Oh, what the fuck? C'est dingue, putain! Vous voyez ça? Allô? À cette profondeur, il est impossible de capter un signal. On dirait que vous allez devoir récupérer des informations par vos propres moyens. Ok, le mec se fait plaisir. Mais une maison à l'intérieur d'une maison, c'est un peu trop. J'ai reconstitué certaines expériences passées que vous voudriez peut-être consulter. J'espère qu'elles amélioreront votre expérience. Eh bien, on n'aura pas tardé à trouver un corps sans vie. Trop triste. Je savais pas que Sky aimait les chiens. Réparation des données RR CTOS en cours. Je veux rentrer. Je suis fatiguée. Restons ici un peu plus longtemps. N'est-ce pas agréable d'être de retour à la maison? Ce n'est pas ma maison. C'est une monstruosité. Désolée que ça ne te plaise pas, maman. Ce projet me tenait à cœur. De l'argent fichu par les fenêtres, oui. Qu'est-ce qui t'a pris de te lancer dans un projet aussi insensé? Écoute, je sais que tu as peur. C'est parfaitement normal. Mais tant que tu n'iras pas mieux, je resterai à tes côtés. Que j'aille mieux? Parce que tu es médecin maintenant. Je n'irai jamais mieux. Oh, saleté de bracelet. Tiens. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'es plus à l'hôpital. Tu ne verras plus de médecin. C'est moi qui vais prendre soin de toi. Quelqu'un a laissé un code sur le bracelet. Il sert peut-être à ouvrir la porte d'entrée. Réparation
Réparation des données RRCTOS en cours. La procédure de cartographie neuronale est sans danger. Mais tu es devenue folle! J'ai dit non. Un point, c'est tout. Je suis allée dans le garage. J'ai vu ce que tu as fait à Ada. Ada est en parfaite santé. C'est ça, avoir la santé? Sky, mais d'où te viennent toutes ces idées sordides? Je refuse de devenir une de tes créations malsaines. Malsaine? Tu me traites de malade? Et pourquoi je serais comme ça, à ton avis, maman? Sky, écoute-moi bien. Ce n'est pas à toi de choisir. Je t'interdis. Et je suis encore ta mère. Veuillez m'excuser, Sky. J'ai malheureusement dû jeter vos produits périssables. Voulez-vous... Hein? Pardon? Veuillez m'excuser, Sky. Nom du spécimen, Ada. Espèce, Border Collie. Statut du transfert neuronal, vivante et apte. Oh non! C'est son chien? C'est impossible! C'est vraiment horrible! Oh, il faut être un psychopathe pour faire ça! Vous voudriez peut-être aller en haut. Beaucoup de souvenirs. En haut. Voulez-vous faire une sieste? Je peux ajuster l'éclairage si besoin. Pourquoi est-ce que sa chambre a l'air si normale? Pour une ado psychopathe, c'est presque ennuyant. Où est le code pour cette porte? Réparation des données RRCTOS en cours. Non! Pas de piqûre. Tu vois, c'était pas si terrible finalement. Comment oses-tu? Chut. Tout est sous contrôle. Je suis là, je suis chez toi. Non, ce n'est pas ma maison. Thank you.
Vous voudriez peut-être aller en bas avec les autres. Vous voudriez peut-être rejoindre les autres. Vous entrez dans une de tes créations malsaines. Bugs, c'est quoi ça? La procédure de cartographie neuronale a pris fin à 13h27. Le sujet est décédé à 13h29. Soit une détérioration post-scanner de 2 minutes, ce qui est une avancée majeure. Tu vois, comme quoi tu as beaucoup de chance, maman. Sujet prêt pour la suppression neuronale. Sky Larsen. Maintenant, entrez dans ma chambre. Aujourd'hui, premier jour, nous allons passer à l'étape de la suppression neuronale. Le sujet est Sinéad Larsen. Activation en cours. Sky, où est-ce que je suis? Je n'y vois rien. La lucidité du sujet confirme ce que le code indique. La carte neuronale est intacte et fonctionne parfaitement. Le sujet? À présent, nous allons supprimer des lignes de code. Quoi? Qu'est-ce que... Oh mon Dieu! Tu m'as désolé. Ça suffit, maman. Mon ange, je t'en supplie. Ne fais pas subir ça à ta pauvre mère. Laisse-moi partir en paix. Tu n'as jamais cru en moi, maman. Il est temps que ça change. Deuxième jour, la région motrice n'a aucune utilité. Contrôle A supprimé. Je me sens mal. Douzième jour. Pour l'instant, préservons le code limbique. La réponse émotionnelle est fascinante. Pitié. 20e jour, passons au lobe frontal. Mon nouveau système de sécurité n'aura plus besoin de réfléchir. Sky, je t'en supplie. La douleur est insoutenable. Code temporal. Fonction du langage altéré. 29e jour. Cette fois, nous allons supprimer le code limbique. En quoi puis-je vous être utile, Sky? Allumer et éteindre la lumière. Très bien. Mets-moi de la musique. Tu sais bien ce que j'aime. Parfait. Cette nouvelle configuration devrait fonctionner à merveille, qu'en penses-tu? Même la pire mère du monde mériterait pas ça! Voilà qui explique sa procédure. Elle prend un esprit humain entièrement modélisé, puis elle le lobotomise jusqu'à en avoir le contrôle total. C'est assez dérangeant. S'il vous plaît, aidez-moi. Vous le saviez que j'étais pas Sky. Vous vouliez que quelqu'un voie ce qu'elle vous avait fait. Oui. Bienvenue. Je ne sais pas qui vous êtes. Je n'y vois rien. J'ai peur.
Je dois retrouver Sky. Vous savez où elle est? Oui. Sortez-moi de là. Je ne veux pas vivre ainsi. Sky est malsaine. La douleur est insoutenable. Je crois que j'ai compris. Vous me direz où se trouve Sky si je vous aide à partir? Oui. Laisse-moi partir en paix. Comment? J'ai reçu les coordonnées, ainsi qu'un message disant simplement « Merci ». Bon, on peut s'en aller, s'il vous plaît. Dudzek, y'a quelqu'un? Naut? Je suis en haut. Remonte quand tu seras prête. T'es descendu, hein? T'as tout vu? Ouais. Sa mère m'a supplié de là. Mais j'ai pas pu. Tu comprends les enjeux maintenant. Elle se prépare à lancer Daybreak. Et si elle y arrive, des milliers de gens vont connaître le même sort. Et ils mourront pas tous. Sky pourra les torturer pour l'éternité. Je sais où est Sky. Sa mère m'a filé sa position. Vraiment? Oh, parfait! Alors, t'en dis quoi? T'es avec moi? On la tient. Protège nos arrières, ok? Ça marche. Faut pas qu'il me voie. Ça ne m'amuse pas. Eh bien, la mission que nous avons rétroactivement baptisée Opération Traumatisme dans le sexy donjon de Sky Larsen fut un franc succès, et je viens juste de décoder les coordonnées de sa cachette secrète. On y va alors. Pile au bon moment. On vient de recevoir un message vidéo de Sky Larsen. Ok, montre-moi. Je ne sais pas pour qui vous vous prenez, ou ce que vous pensez avoir vu chez moi, mais je vous conseille de rester à distance. J'ai consacré ma vie au programme Daybreak et je ne laisserai personne détruire mon projet. Je vous suivrai sans relâche et je ferai de votre vie un véritable enfer. Car moi, j'en ai les moyens. Et vous? Sérieux? Comment elle nous a trouvés? Sky Larsen a construit une forteresse contrôlée par sa mère lobotomisée, et c'est ça la question que vous me posez. Sa mère l'avait peut-être méritée, comme la mienne. Elle doit avoir peur, sinon elle n'irait pas jusqu'à nous menacer. Elle a bien raison de flipper. Allons-y.